Ah vas-y, je t'en prie, hein. Il a même pas hésité. Non, mais il a fait ouais, merci, mec. Allez, coucou les 8 personnes là. Genre, tu fais 2 SD en une game. Il est sur 3 game, le bâtard. Michel bâtard, t'as vu Vlad ce matin? Regarde les derniers messages de Vlad. Kieran est foutu. Jean qui fait 2 SD en une game, il est sur son A game, Kieran est foutu. Ah le salaud. Allez, on en est où? Première game, ça a attaqué direct, hein, pas de warm-up. Il s'est fait sortir par qui? Gandorf. Gandorf Farmo. Oh! Winnerside, c'était pas Dalil? Oui, c'était Dalil. C'était Dalil. Parce qu'il me semblait qu'il était site 2, donc. Ouais, bah. Il récemment, il faisait des trucs. Il a battu. Tous la dernière fois. Oh! La dernière fois, je crois. Ah ouais, il a fait 3-2 contre ses canards aussi. Enfin, il l'avait battu, Winnerside, ouais. Et Scar jette 3-2-3-2. Malheureusement, c'est Ganon. Ouais, donc parfois t'as des. Ouais, t'as des offs. C'est pas que si je veux pas jouer au jeu, il y a personne qui joue au jeu. Malheureusement. Après, il a pas bien joué. Je me souviens. La dernière fois qu'il m'a battu, il joue comme ça. Mais voilà. Ouais, je parfois. Suis à hein. 1-0 contre le Gandorf le Violet. C'est pas mal. Ça arrive en plus avec Gandorf le Violet. Le seeding il va devenir. Ouais, il est au deux shot, le seeding là il est compliqué à faire à chaque fois. C'est bonne chance les gens. Mmh. C'est d'autant mieux, c'est à dire qu'on peut se permettre des dingueries de seeding sans que ça choque. Ouais, ouais, ouais. Ça fera des matchs. Ça fera de. Ça fera des matchs cool. Non, puis c'est cool comme ça, il y a le. Que tout le monde soit. Enfin, t'as pas vraiment de match où t'arrives ouais, en te disant c'est ingagnable. Ouais, ouais, les espèces de petits triangulaires en ce moment. Moi je même plus sur ma patine triangulaire, hein, des hexagones. Ah, mais ouais, on, est sur, on est sur toutes les personnes du top 8 qui pourraient. Qui sur un mauvais jour, tu vois, ça drop des sets avec tout le monde. Je pense que c'est un espèce de top 3-4. Ouais, qui se dessine stable, quand même. Ouais, ouais. Mais le 3-4 a des personnes dans le top 8 contre qui ils peuvent faire. Ouais. Genre là, tu comprends, Kirby, ça lui arrive de battre tous. Moi, j'ai battu Gandorf, ça m'arrive de battre Kieran aussi. Comme ça fait. Yes. On se débrouille bien, Kieran là. Juste dessus, j'ai dit que t'étais le GOAT. Ah merci, t'es incroyable. Ouais, Kieran se débrouille très bien là, il joue bien, bien défensif, bien casse-coule, comme. Il arrive bien. Ouais. Regardez-le faire des gros full hops sous la plateforme de Battlefield. Ce pack, ce matchup, c'est empêcher Puff de sauter. Oh là là! Et quand Puff saute, empêcher de land et bouffer tous ses sauts avec des lasers. Dalil, c'est sa 37ème wiki d'affilée où il fait des upsets, au bout d'un moment ça serait cool de monter sa seed. Bah on la monte petit à petit, non? Il était seed 3 là! Ouais, il était bien seed. Ouais, ouais, il était seed 3 hein! Donc Mais ça fait genre 3-4. Non, je te jure, je crois qu'il était vraiment seed 3 hein! Dalil, non, seed 6. Ah, seed 6. Ok. Après voilà, il revient dans Hieratus. Après j'aurais compris aussi que tu vois, il soit aussi dans le dessous de Gandorf. Hein. Gandorf qui a. Toujours fait des matchs avec ses canards, ouais. Donc, un meilleur puff et tout. C'est facile de dormir sur. Sur le monde à l'île, tu vois. Petit reste là dans tes deux. Bon, on n'est pas trop loin côté. Côté Kieran, après. On sait que c'est un match-up très très. Ouais, faut pas que Dalil croise les gars parce que ça pourrait aller très vite. Ouais. Qu'en penses-tu de ces petits stages là? Je trouve que c'est plutôt joli. Ouais. Celui-ci en particulier. Celui-ci il est vraiment cool. Moi j'aime bien. Ouais. D'accord. Moi j'aime bien. Ah ouais, c'est peut-être justement celui que j'aime un peu moins. J'aime bien le Wispy Vacances, tu vois. Ouais, il est chill, mais. Je sais pas. Il y a peut-être un trop gros contraste entre le fond et le stage. Ouais. D'accord, ouais, je vois. C'est vrai qu'il est très très stylisé. Après, voilà. Contre, il chope. Falco, il chope Puff qui crotte, genre. Oui,
Ah, c'est pour ça, je me disais qu'il ouais, touchait énormément de laser jab, enfin de laser grab plutôt. Bah après, de toute façon, le laser il va, tu sais, il va remonter la hitbox de l'autre, donc. C'est le laser touche. Ah. Ah, oui, si c'est coach, tu peux pas frapper. Oh, oh dommage, c'était le bon mix-up, il le fait rude, c'est rude. J'arrive bien à le perdre avant de mourir. Allez, la mix-up, ça trop. Ouais, Franco qui a un bon un mix-up game contre Puff avec sa... pro back throw, je crois. Ouais. La back throw, si elle est mal DI, il y a des follow through sur plat, ça joue, c'est pas ça. Et, on fait des petits pivot jabs du côté de... Le Kieran. Allez, on trouve ce kill. Allez, retard quand même assez important là. Retard, une stock entière quand même, c'est beaucoup. Ouf. Je m'attendais à ce que Dalil détruise ce troll-in. Peut-être pas réagir. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, mais après voilà, chaque phase c'est un petit cap pour... Ouais. Pour Kieran, parce que Falco, pour tuer directement à part trade sur un backer à 120%. Ouais. Et puis là, on a plus de stock à. On jamais un death, par exemple. Ouais. Là où voilà, Buff est bien contente de trade, elle va avoir la défaite. Oh là 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 là. Oh, le smash, c'est mal direct. Non, c'est bon, on s'en sort. On a un grand stage. On a un grand stage. Le counter pick après tout. Hein. Allez, il va lui faire un petit vamos à la playa là. On essaye hein. On essaye de trouver le kill avec... du côté de Kieran, mais pour l'instant rien ne rien fonctionne. C'est notre alert. Frère qui a fait un hit bizarre. Reverse nerf. Il a secoué la serviette et Dalil s'est pris tout le sable. Ouais. Et là, il va falloir jouer excellemment bien du côté de Kieran. Mais si on gagne cette game, on est très 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 bien. Ah, et voilà. Cadeau. Voilà, fais pas des dingueries tranquillement. Ah, il aurait pu, ouais. Ah, quand même, hein. Je pense qu'il s'est fait un peu peur là, la fin sur cette air dodge. Yes. Parce que Kieran aurait stall en shine, c'est pas difficile. Stone, le B. Après, il aurait fallu qu'il stall vraiment longtemps, hein, quand même. C'est un peu ambigu quand t'es en bas, c'est pas trop. Ouais. Allez, petite game 3. Moi, je dis, on va partir sur Yoshi là. Ah, ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Et là. La même vibe que. Ouais, on est. On est en vacances aussi, hein. Vacances, c'est que des skins vacances. Et planches de surf, machillon. Ah, elles sont jolies. Arca, Arca. Notre ami Pachyderm. Oh là, attention. Et il a très bonne RTC sur la plateforme. Et on a détruit cette saute instantanément. C'est lui qui est très fort, ouais. Ouais, ça a été. Il la practice et ça paye. Ouh! Ouais, pourquoi il est 5 grappes? Ouais. Pistage d'autant plus. Pistage sur. On trouve le kill quand même côté ouais, Kieran. Ça va très bien. On sait en plus ce qui peut se passer sur ce stab. Bon, on sait ce qui peut se passer, ouais. On sait ce qui peut se passer. Je pensais pas à ça, mais oui, effectivement, ça peut se passer. Il y a un petit assist de Randall. Allez, je vois les teams ouais. En back throw. Quand c'est mal vieil, t'as le volo sympathique. Oh là là, et on reset la situation. Oh, oh. Et voilà. Oh la douille! Et voilà. Il réussit à voler cette stock. C'est ça, il lui a balancé le crise vitro. Putain, comme il la taunt avec le shield. Avec les. Ouais, le shield, ouais, qui fait flicker. La Lille qui s'est pas laissé impressionner qu'il a pas reçu de ce laser et qu'il a renvoyé. Dans le nord, hein, à la plage de Lille. Hein. T'as vu cette petite CRT aussi au fond? Ah oui, bien vu! Ok, on s'en sort bien. C'était bien vu de faire ses défenses. Et, nature. Tranquillement. On voit Kieran souvent dans la galère, mais en fait il conclut très très tôt. Donc, ouais, il arrive à trouver les kills sur ce stage. Et en plus, il a déjà passé Dreamland parce qu'il a réussi à gagner la game 1. Donc s'il arrive à remporter. Si Kieran va remporter la game, là, il sera dans une bonne position pour, ouais, position pour remporter le set. Hein. Oh, Dalil qui se fait peur là. Kieran, essaie de revenir. Voilà. Attention, ça tente de les chercher de sauver. La back-crit, le fond, bien. Ok. Non, on a mis 5 pommels quand même, c'est énorme. Ah, et là, un Don't Tilt va commencer à toucher. Hein. Oh, et ça tue. Oh, the fuck.
Les pommels quoi, aidé là, je pense. Ouais. Deux pommels de main, je suis pas sûr qu'ils m'auraient. Ah, il a bien gratté. Il s'est peut-être rendu compte que ça mâchait pas forcément en face. Il a peut-être entendu que ça mâchait pas trop en face. Je sais plus, je vais pas te dire si Dali l'équipe marche. De toute façon, au bout d'un moment, t'as plus vraiment le choix. Hein. Quand le mec commence à te mettre si peu belle, tu dis bon, je vais peut-être commencer. Et ça, c'est une DI qui est ratée. Dommage, 28. Oh là là! Oh là là! Karim qui est très fort pour ça. À te mettre en. Il fait les pivots. Quelle type situation à combien. Petit pivot là. Et tout, avec, il attend bien, il réagit à un smash, il bouge pas. Il est bien patient, hein. Bien patient, bien. Il est bien patient, il veut pas se faire gratter. Attention, attention, attention! Non! Tu la curse un peu. Je l'ai totalement curse. Non, donne. Ouais. Waouh, la violence! Il aurait plus le save, hein. La violence! Escalier, bon. En haut, en bas, un pilar. Pilar combo puff moyen quand même. Hein. Ouais, moyen, mais c'est pas ouf. Pilar, ok, pas mal, backer. Mmh. On gratte beaucoup de pourcents déjà. Oh. Et là Dalil, il a compris que. La composure. Ah, il met la petite taunt pour charger énergie. Exactement. Khan qui prend pas mal, là, il rigolait. Je pense qu'il est dans sa game, il sait qu'il a une game d'avance. Il sait qu'il a de quoi jouer et tout. Il a de quoi faire. Il lui reste une stock, hein. Il reste une sock, puff est à 80 à kill pour cent. Ça va vite puff, hein. Un petit down tilt, un petit truc comme ça. Ça oh, ça tue. Alors bon, je pense que puff ne reviendra pas. Ouais, faut pas. Ouais, voilà, okay. Faut juste choper la LED, mais. Oh. Et là tu vois, on voit que comparé au game d'avance que tu disais, Puff se permet beaucoup plus de sauter et de faire des choses comme ça. Il contrôle beaucoup moins le jeu aérien. Surtout à bas pour comme ça, s'il arrive à le shine, ah ça a pas tué, dommage. Bah il est très haut Fontaine. Ouais. Ouh, 69% de tirade, ça a été cancel. Voyamment par Dalil. Smash, ça ne tue toujours pas. Allez, plus qu'un petit coup. On a pris 80, 90, 100. Oh, la vieille guédon. Voilà. Est-ce qu'il va nous faire une carate? Là, il va falloir trouver un exploit, je pense. Et voilà, on s'est fait ratio de manière. Non, mais voilà, il est instantané. Dalil qui a resté composé. Ouais, il a attendu un petit backer. Voilà. Il a creusé son écart avec son reste dès la première stock. Est-ce qu'on peut en parler des dogos sur le t-shirt de Khan? Ils sont magnifiques. En fait, c'est un t-shirt loup, tu vois. C'est un peu un t-shirt loup. Il n'y a pas marqué Husky en dessous. C'est un t-shirt loup, mais version chien, tu vois. Version Mimon, Mims. Il y a marqué Husky. Il a transcendé le cringe pour atteindre le Mims. Ouais, ouais. Bon, moi, ça tire beaucoup plus de laser déjà. Hein. Ce stage, ouais. Pourquoi pas Pokémon. Pas mal. Encore un. Ouh. Il manquait pas grand chose. C'est plus dur sur ce stage que sur Yoshi. Forcément. Hein. Et que sur Battlefield aussi. Forcément pas une top plateforme. C'est marrant les petits moments où ils commencent à regarder pour voir ce que fait l'adversaire et tout. Ouais, mais je pense que chacun attend une réaction de l'autre. Cette pression là. Oh yoï yoï. C'est bien corner, enfin, il a réussi. Ouais. Gros pourcent sur Dalil. Dalil qui essaye de quand même mal survivre. Ouais, et. Kieran il galère un petit peu, j'ai l'impression. Il touche des jabs de temps en temps, mais ça convertit pas forcément dessus très très bien. Ouais, je suis pas sûr qu'il. C'est pas mal, c'est pas mal ça. On gratte des bons pourcents.
On gratte des très bons pourcents, pas des excellents pourcents même. Ouais, ouais, 72 déjà. 72, 91. Il a remis un texte de 60 en temps, ça n'a rien donné. Donné, voilà. 110, déjà kill pourcent pour Puff. Allez, là, faut que tu trouves quelque chose. On prend un retard. Ouais. Ok, c'est bien. Voilà. Oh non, c'est bon. Il s'est fait peur. Ah, écoute, il m'a fait peur aussi. Ouais. Surtout à ce pourcent, hein, parce que. Je sais pas si c'est comment le ça marche, les metteurs comme ça sur ma vie, c'est t'as 8 frames. C'est ça, t'as 8 frames, t'es lock et tu peux pas ouais. Du coup ça fait peur quand t'es puff. Et en plus à plus de 100% comme ça. Après un peu de X. On reste patient. Oh, Il y avait un jab ouais. Il essaie de le poursuivre sur sa roll, mais Et là c'est bien, Kieran là il rentre dans le moment. Non, il est pas mort. Il rentre dans le moment où là s'il se prend un rest, il va pouvoir trade. Et il a même pas besoin de ça. Si, quand même. Ça meurt pas tout de suite, mais. Pour l'instant, c'est une game 5 qui est contrôlée. J'ai l'impression que Dali il trouve les hits, il met dans des situations de merde un peu pour Kieran, mais il arrive pas à confirmer dessus. Ouais. Ouais, il trouve pas les confirmes, tu vois, il a raté quelques jab reset et tout. Il est sur sa mère. Oh là là, et Kieran qui sort masterclass. Ah. Par contre, il n'y a jamais out, c'est pas du tout. Ouais. Parce que Kieran, il l'a fait tout le temps avant. Bon. Et là, Kieran, il y a qu'à assurer. Et là, ça le suffit. Oh, bien et joué. Le smash. Le bon smash. Bien joué à Kieran. Bravo à Kieran d'avoir vaincu le puff numéro 1. Il va affronter puff numéro 2 du coup. Ouais, j'espère qu'il enchaîne. La patience, la composure, c'était le warm-up. Il enchaîne. Non, quand même, un game 5, c'est pas du warm-up. Hein. Non, c'est du warm-up un peu violent. Là.